Nous allons voir comment lire une polygraphie sous VNI. Tout d'abord, dans quelle situation propose-t-on une polygraphie sous VNI ? Elle ne doit pas être réalisée de manière systématique, car bien souvent, l'oxymétrie nocturne, plus ou moins associée à la capnométrie nocturne et aux données polygraphiques enregistrées par le ventilateur, suffisent à avoir un bon monitorage de la VNI. Elle peut être proposée dans les cas suivants. En cas de signe d'hypoventilation alvéolaire persistant, c'est-à-dire d'hypercapnie diurne ou nocturne résiduelle, et de temps de saturation nocturne inférieur à 90% durant plus de 5% du temps d'enregistrement. Également, en cas d'oscillation de la courbe d'oxymétrie nocturne ou de signe de mauvaise tolérance. Commençons par voir un enregistrement normal de polygraphie sous VNI. Afin d'illustrer un enregistrement normal sous VNI, nous allons prendre un exemple d'enregistrement sous VNI de type barométrique, c'est-à-dire avec un ventilateur à contrôle de pression, qui est le mode le plus fréquemment utilisé pour la VNI à domicile. La courbe, nommée ici PAP, est le reflet de la pression délivrée par la machine. Sur un ventilateur à contrôle de pression, la courbe de pression est composée d'une phase inspiratoire avec une montée en pression, d'une phase en plateau inspiratoire, puis d'une phase expiratoire avec baisse de la pression. Sur cet enregistrement, la pression à l'expiration est à 7. La PEP était donc réglée à 7. La pression à l'inspiration est à 15. L'IPAP était donc réglé à 15. Il s'agit donc d'un enregistrement sous VNI en mode BIPAP, EPAP à 7 et IPAP à 15. Sur un ventilateur à régulation de pression, c'est la courbe de débit qui est variable et qui va donc nous permettre de coter les événements. La courbe de débit comprend une phase inspiratoire d'augmentation de débit rapide avec pic précoce, puis une chute de débit progressive, suivie d'une chute nette du débit au moment du cyclage expiratoire. Le reste de l'enregistrement est composé des mêmes courbes que pour une polygraphie en air ambiant. La courbe de saturation permet de détecter la présence d'un événement. Les sangles thoraciques et abdominales permettent de localiser l'événement et également de déterminer la nature de l'événement selon leur aspect. Sur un enregistrement normal, le patient et le ventilateur sont synchrones. Le mouvement respiratoire du patient est identifié sur les sangles thoraciques et abdominales et son début doit être concomitant du début du cycle lorsque c'est synchrone. De même que le cyclage, c'est-à-dire le passage à l'expiration, doit être concomitant au niveau des sangles thoraciques et abdominales qui est le reflet du mouvement respiratoire du patient et au niveau de la machine. Un événement respiratoire est défini par la modification ou la discontinuité ou l'instabilité de la ventilation avec des conséquences délétères sur la saturation, la capnométrie ou le sommeil lorsqu'il y a une polysomnographie associée. Ici, les mouvements thoraciques et abdominaux ont une amplitude stable. De plus, à chaque mouvement respiratoire, il en résulte une insufflation délivrée par la machine visible sur la courbe de pression, ainsi qu'une inspiration visible sur la courbe de débit. La courbe de saturation est également stable tout le long de l'enregistrement. Il s'agissait donc d'une polygraphie sous VNI de type barométrique en mode 2 niveaux de pression, EPAP à 7, IPAP à 15. Sur cet enregistrement, on ne voyait pas d'événements respiratoires, notamment absence de fuite, absence d'obstruction des voies aériennes supérieures, bon synchronisme patient-machine et les réglages étaient a priori adaptés avec un VT suffisant.